Tout est parti d'ici, en cellule Kalimbouté au quartier Boutetse, où a vécu il y a quelques minutes une messe à l'occasion de cette activité. Les étudiants marchent en empruntant la rue Président de la République pour le quartier Moutanka, où ils se sont réunis au complexe Monde Juste. Autorités académiques, anciens et nouveaux étudiants sont à place pour les activités de ce jour. Dans son mot de bienvenue, le professeur Jean Chrysostome, vice-recteur de l'UAC, accueille tout le monde et surtout les nouveaux étudiants. Il rappelle à ces derniers que cette activité est une manière de les appeler à viser l'excellence et à avoir confiance en soi dans leur nouvelle communauté. Certains d'entre vous, au centre expérimenté, sont arrivés. La rigueur des exigences universitaires provoquant peut-être un sentiment d'anxiété, des questions sur la réussite ou la peur de l'échec, provoquant peut-être aussi une tentation de décrocher ou une certaine croyance à la facilité. Ici à l'UAC, on vise l'excellence. Le secrétaire général académique de l'UAC prend la parole pour présenter aux nouveaux étudiants les contenus du règlement d'ordre intérieur de cette institution universitaire. L'objectif est de faciliter la collaboration entre les corps étudiants et leurs autorités académiques, mais aussi des pratiques pour avoir une bonne performance. L'article 10, c'est pour que les jours de congé officiels sont précisés dans le calendrier académique émis par les services du secrétariat général académique. Et les copies également sont affichées aux endroits appropriés. En plus, les cours magistraux sont prévus dans beaucoup de matières, des travaux dirigés et pratiques, ainsi que les séminaires qui couvrent à la recherche de personnel et à la rédaction obligatoire de travaux de francs-cycles. Après sensibilisation aux valeurs de l'UAC et ses règlements, les étudiants ont donné leur engagement à ces valeurs. Je m'engage du coup à respecter les engagements de l'ordre intérieur et pour si petit tour soit à la base de cette finalité. Je me conseillerai à contribuer à son élément intellectuel, moral et spirituel par complètement présenté. Je considère ma force, ma sociologie comme un moyen de servir Dieu et l'humanité. Dans ce mot de circonstances, les conseils étudiantés de l'UAC félicitent le nouveau venu pour leur choix minutieux. Sa présidente Cosette Amuhonkia les appelle à capitaliser leur temps qu'ils vont passer à l'UAC pour se façonner et se transformer. C'est aussi un appel à défendre leur devise « Noerim me, Noerim te ». Plusieurs autres activités culturelles ont coloré cette journée, des poèmes, des chants et autres pour égayer ce grand public.